On va réveiller Yacine à 4h du matin parce que nous, les musulmans, on a une prière le soir à 4h du matin. Bon, on fait pas des trucs de ouf, hein. Je sais que ceux qui sont pas musulmans, ils doivent se dire, c'est des petits trucs calmes, tranquilles. On va réveiller Yacine à 4h du matin parce que lui, il aime trop dormir, dormir, dormir. Et on va voir sa réaction, je pense que ça va être des barres de rire. Ah ouais, Light, c'est jeudi. Pourquoi tu leur dis? Non, comme ça, quoi. Si tu fais des vidéos tous les jours, Light! Ouais, on y va. Yacine, c'est hors de la prière. Yacine, c'est hors de la prière. Yacine. Yacine, lève-toi, c'est hors de la prière. Wesh, t'es mort. C'est pas normal, ça, qu'il répond pas comme ça. Je sens que j'ai mes pieds qui puent. Il est pas décédé quand même. Yacine, tu sers la prière. 4h47, on essaye de l'eau, peut-être. Des petites gouttes d'eau. Putain, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est tout ce que je bois le soir. Celle-là, il y en a beaucoup. Yacine, c'est l'heure de la prière en fait. Ouais, je lève tout. C'est l'heure de la prière. Faut que tu fasses la prière de 4h du matin. Et me tuer. Attends, je vais reposer ça par terre. Il veut pas se réveiller. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse dormir ou... Il est 4h du matin, moi j'ai pas dormi de la nuit, je vais sûrement me réveiller à 13h. Je vais attendre une minute ou deux et on va voir s'il va se réveiller. Bon, je vous donne une petite astuce si vous voulez être beau gosse comme moi la nuit là, quand vous réveillez, vous prenez un peu de Nivea comme ça, et vous en mettez, il faut bien qu'on voie là, vous en mettez là, comme ça, pendant que tu dors, ça va faire de la beauté ici là, enfin ça va comment on dit ça déjà, enlever la sécheresse. C'est vraiment pas mal. Astuce beauté les filles. On va revérifier si du coup il est réveillé. Oh putain, il est reparti dormir. Peut-être t'as changé de position du coup. Je vais pas te réveiller pour la prière. Tu peux m'insulter si tu veux, c'est pas grave. Vas-y, prends ma pause, s'il te plaît. Ok, j'arrête, désolé. Aïe, 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 les gars, je viens de me réveiller, il est 14h, j'en ai marre, je suis devenu un déchet, frère. Ouais, je le mérite bien. Je le mérite bien, 14h, frère. Je le mérite bien. Tous les jours, je rigole sur ceux qui se lèvent tard, et maintenant, je suis devenu un mec comme ça. Mais ce mec-là, il n'y a pas l'option petit déjeuner, ça sert. Je me lève pour faire quoi? Vas-y, je fais quoi? Toi, t'as des bonnes idées. Je fais quoi? Hein? Comme tous les matins, je suis devenu malade, comme les gens qui sont malades. Genre, j'ai pas le droit de manger, hein. J'ai pas le droit, c'est le ramadan. Mais je viens quand même tous les matins dans la cuisine. Je fais comme si vous étiez pas là, comme si t'étais pas là. Ok? Tous les matins, c'est ça. Je viens. Et je repars. Que je suis devenu fou. Mais je sais pas, c'est le ramadan, ça m'a monté à la tête, frère. Tu es avec ton masque. Tu vas là-bas. Comment ça, va là-bas? C'est le ramadan, il pue de la gueule. Mais tu l'as brossé les dents, arrête de mentir, frère. Vas-y, arrête de mentir, gros. Ah ouais, j'ai aussi, je vous ai pas dit, je fais aussi toujours mon menu. Donc là, pour ce soir, je vais manger ça. Pousse-toi, dégage. Ce soir, je vais manger ça, c'est quoi? Je vais manger du quinoa et de la viande. Voilà. Ça sera de la viande et du quinoa pour ce soir. Et tous les soirs, tu manges ça? Pas tous les soirs, mais vas-y, j'essaie de faire attention à ma vie. T'as grossi alors ou pas du coup? Oui, évidemment, j'ai grossi. Comme tout le monde. Mais comment c'est possible? Tu manges pas toute la journée, tu grossis? Parce qu'en fait, je t'explique, c'est super simple. Dans la vie de tous les jours, ma journée, c'est quoi? Je me lève, on va faire du sport, on va faire des vidéos, on va là-bas, on bouge partout toute la journée. Alors que là, pendant le ramadan,
je fais des montages toute la journée, je suis assis et une heure avant le f'tor, je fais du sport. T'as une vie de merde en fait, toi. Ah ouais? Clairement? Ouais, j'avoue, je crois que je vais méditer sur ma vie. Ouais, j'ai vraiment une vie de merde en vrai. En vrai de vrai, j'ai une vie de merde. J'ai une vieille vie en vrai de vrai. Mais je sais ce que je vais faire pour donner un peu de piment à ma vie. Genre, ce que je vais faire, c'est que la nuit, je vais rester réveillé et le jour, je vais dormir. Quoi? Pourquoi? Tu vas t'auto-punir. Ouais. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est pour ça que j'ai grossi. Hein. C'est parce que je bouge pas toute la journée, mais ça va, ça va reprendre. Là. Le Eid, c'est jeudi, Inch'Allah. On reprend les bonnes habitudes. Hein. On va là-bas, on bouge partout. On fait des... Là, c'est pas normal. Là. Mais comment tu me réveilles? Comment ça, je te réveille? Comment tu te fasses des bisous? Ça faisait une heure que je venais de m'endormir. J'étais dans un sommeil profond. Et j'étais en train de me battre avec des gens. J'entendais Yacine, réveille-toi. Mais je crois que t'étais mort. Hein. Je crois que t'étais mort. Après, mes yeux, il y avait de la colle forte dans mes yeux. Quand je faisais ça, ça voulait pas. On l'a tous vu. Ça voulait pas. Et d'ailleurs, dans les commentaires, ne dis rien. À votre avis, est-ce qu'il s'est réveillé? Mettez oui, mettez non et mettez pourquoi. Je suis pas réveillé. Moi, je suis désolé de t'avoir réveillé comme ça. Normalement, on réveille pas comme ça les gens. Tu sais que j'allais faire un truc de ouf là. Je sais que t'allais me taper. Non, mais tu sais ce que j'allais faire? J'allais me réveiller à 10h du matin et te réveiller. J'allais te secouer, Younes. J'allais faire un truc de malade. Pardon. Faut pas réveiller les gens comme ça les gars, faut juste leur mettre des petites claques. Un peu de pédagogie quand même, merde. Un petit cadeau pour me faire parler. C'est quoi ça encore? Et les crayons aussi, mettez des pouces bleus, merde, vous êtes des crevards, c'est un truc de ouf. Mais pas de pouces bleus. Ah, c'est quoi ça? Ça y est, le foot c'est fini là. C'est la Joga Bonito. Toujours le foot, ça y est, le foot c'est fini frère. La Joga Bonito c'est la nouvelle. Ah mais on joue plus au foot, ça y est. Et le Covid il a tué le foot, y'a plus de foot, ça y est le foot. Le Covid il est fini. Non. Ah ouais? Mais c'est pas fini, c'est toujours pas fini. Hein. Ouais, une petite balle, comme ça on la testera en vidéo sur la fête familiale, c'est bon. En collection? Non, pour jouer au foot. Allez. Bon l'équipe, on a bien rigolé comment Yacine dormait. Demain, rendez-vous à midi. Oh. Demain les gars, ça pour vous dire que rendez-vous à midi pour une nouvelle vidéo. Midi 40, moi je vous laisse là, ciao. Non, on vous laisse pas là. Arrêtez de croire, il a fait exprès. Juste demain midi 40 et je voulais passer un petit message. Voilà, ça fait beaucoup de peine ce qui se passe en ce moment dans certains pays, comme genre la Palestine, tout ça, les pays en guerre. On voulait faire nos prières pour que tout ça améliore, tout se passe bien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que la paix, que tout le monde soit bien, etc. Et puis voilà, ça fait pitié un petit peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ciao. Contrôle.